Hey yo les amis, c'est Geeks. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto de manège. Je vais réaliser le drop tower. N'hésitez pas à mettre le petit like, à vous abonner, à commenter, à partager si vous voulez encore plus de tutos de manège. En espérant que ce manège là va vous plaire, et place au tuto. Je vais commencer par la remorque. Alors vous aurez besoin de murets d'andésite, de boutons en pierre, de laine noire et de béton gris. Je vais commencer par réaliser un cercle. Donc 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3 et 1. Et ensuite que je vais augmenter de 2. Et ensuite je viens tout remplir. Ensuite, je viens compter donc 8 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, je compte 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on refait de nouveau 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et maintenant, je viens tout remplir. Ensuite, je vais compter 6 blocs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je viens relier donc les deux morceaux. Et je viens remplir. Et je refais donc la même chose. Donc je recompte 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens relier. Et je remplis. Maintenant, je viens réaliser les matchs de la remorque. Donc, je place trois rangées de blocs comme ceci sur deux supplémentaires. Je viens poser donc ma petite plateforme comme ceci avec un muret d'andésite. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Et ensuite, donc, je viens placer les roues de la remorque. Comme ceci. Et maintenant, donc, vous faites ce côté-là. Mais de l'autre côté, donc en fait vous faites la symétrie. Et voilà donc la remorque terminée. Maintenant je vais réaliser la plateforme ainsi que les barrières. Alors vous aurez besoin de trappes en fer, de murets d'andésite, de dalles de pierre lisse, de pierre lisse, de laine vert clair, de laine jaune, de laine orange, de tapis violet, de tapis orange, de tapis jaune et de tapis vert clair. On va commencer par réaliser les 4 matchs de la plateforme. Donc on va se décaler de 3 par rapport à la remorque à ce niveau là. Donc 1, 2, 3, on pose un bloc et ensuite on en pose 3 autres comme ceci. Donc, on se décale de 3 blocs, on pose un bloc et on repose donc 3 blocs comme ceci. Ensuite, on vient rajouter les murets de part et d'autre, comme ceci. Et on vient faire la même chose pour l'autre côté donc, de la remorque. Donc on se décale de 1, 2, 3, on pose un bloc, on repose 3 blocs, ainsi que les murets. 1, 2, 3, on pose un bloc, 3 blocs autour et des murets. Maintenant, on va réaliser la plateforme. Donc, pour ce faire, on va poser 3 blocs comme ceci. Et ensuite, on vient rejoindre donc les 3 autres matchs comme ceci. Et on fait tout le tour. Mmh.
Maintenant, on vient rajouter deux rangées de blocs, donc comme ceci. Deux rangées de blocs ici et de l'autre côté. Et sur les côtés, on vient en rajouter donc 4. On fait pareil de l'autre côté. Et on vient placer un bloc dans chaque angle. Une fois que votre plateforme est terminée, on peut venir y placer donc à l'intérieur des trappes et il faudra remplir tout l'espace donc avec les trappes. Une fois donc les trappes de placer, on va venir faire donc les escaliers. Donc pour faire les escaliers, on compte 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, donc sur deux rangées. Ensuite, on se met en dessous, hop, on replace des blocs. Là, on va compter 3. Là, comme ceci. Et on vient placer donc des dalles de pierre lisse, comme ceci. Et vous faites la même chose pour l'autre côté. Et voilà la plateforme terminée. Maintenant, nous allons faire les barrières. On va commencer par les barrières, donc vert. On va placer deux blocs comme ceci de chaque côté. Et on vient espacer après d'un bloc à chaque fois. Et on va faire ça tout le tour. Une fois que vous avez posé les blocs de laine vert, donc il suffira juste de placer des tapis verts par-dessus. Et là donc où on a laissé un emplacement vide, une fois qu'on a placé les barrières de couleur verte, maintenant nous allons placer les barrières de couleur jaune. Donc au niveau des escaliers, comme ceci, on va faire pareil avec les blocs d'orange et pareil avec le violet. Et ensuite, donc, faudra juste rajouter les tapis par-dessus, comme ceci. Et vous faites donc la même chose de l'autre côté. Et voilà, la plateforme et les barrières sont terminées. Maintenant, je vais réaliser les éléments de décoration. Alors, vous aurez besoin de bannières noires, de bannières blanches, de laine blanche, de levier, de boutons en pierre, de trappes en fer, de laine noire, de barreaux de fer et de murets en briques des abîmes. On va commencer par créer les supports des sonneaux et des drapeaux. Donc, pour ce faire, on vient se mettre au milieu de la remorque. Et on place donc un muret et deux barreaux en fer. On se décale de 1, 2, 3 et 4. Et on vient placer donc un autre muret et des barreaux. On se met ici sur le côté de la, donc de la plateforme. Et on replace un muret et deux barreaux. Et on se met ici également. Et on place donc un muret et deux barreaux. Pour créer les sonneaux, c'est tout simple. On vient placer deux blocs de laine avec deux boutons, les trappes en fer sur les côtés, des leviers juste derrière qu'on va activer et on va replacer donc une trappe. Pareil à côté. Et voilà. Pour les drapeaux, on vient placer un bloc de laine noire avec une laine blanche en décalé,
et on replace une laine noire. Et on vient faire ça donc pour le drapeau de devant. Comme ceci. Et maintenant, vous allez faire ce côté-là, mais de l'autre côté. Maintenant, nous allons placer les drapeaux tout autour de la plateforme. Donc pour ce faire, on se met ici et on place donc un drapeau blanc, enfin un drapeau noir. Donc décalé de 1 à chaque fois. Et ensuite, on pose donc les drapeaux blancs comme ceci. En décalé à chaque fois. Et on vient faire ça de ce côté-là également. Et voilà, les éléments de décoration sont terminés. Maintenant, nous allons réaliser la caisse du manège. Donc, on va avoir besoin de tapis blanc, de tapis noir, de laine blanche, de laine noire, de levier, de dalles de pierre lisse, de pierre lisse, de béton violet, de béton orange, de béton jaune, de béton vert clair, de vitre violette, de vitre orange, de vitre jaune, de vitre vert clair et de vitre grise. Je vais commencer par réaliser le sol donc de la caisse. Pour ce faire, on va se décaler de 1 par rapport à l'escalier et donc à la laine violette. Donc on laisse un bloc, on pose une dalle et là on va venir placer donc 1, 2, 3, 4 et 5 et une dalle ici. Ensuite on prend les blocs et on place donc 1, 2, 3, 4 et 5. On vient sur le côté, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, donc, on vient tout remplir. Maintenant, je vais réaliser la caisse. Donc, pour ce faire, on vient placer 1, 2, 3, 4 et 5 blocs. On se met sur les côtés, on se met donc sur le côté étroit. On refait donc 5 blocs. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on replace 3 blocs. Comme ceci. Ensuite, donc là, on peut venir rajouter des blocs orange par-dessus. En laissant une ouverture de 3. Pareil pour le jaune. Voilà. Et ensuite, on fait la même chose avec le vert, sauf on va venir fermer. Comme ceci. Ensuite, on prend donc les vitres violettes. On les place tout autour, comme ceci. Pareil avec les vitres orange. Avec les vitres jaunes. Et les vitres vertes. Ensuite, on prend les vitres grises, ceci, tout autour, pour faire donc l'ouverture pour la caisse. Je vais prendre les dalles, et je vais venir en placer sur tout le long comme ceci. Donc là, je descends de 1, je place donc une dalle comme ceci, et ensuite on place les leviers comme ceci. Maintenant, je vais réaliser l'élément de décoration qu'il y a au-dessus de la caisse. Donc pour ce faire, on vient placer deux blocs de laine noire comme ceci. Deux comme ça juste devant. Donc on vient mettre des laines blanches comme ceci pour faire un damier.
on replace une laine blanche ici, une laine noire, une laine blanche. Pareil de l'autre côté, donc une laine blanche, une laine noire, une laine blanche. Et on vient donc augmenter de 1 de hauteur en faisant un damier. Ça devrait vous donner ceci. Et ensuite, on va faire donc le damier sur la caisse, tout simplement. Et voilà la caisse terminée. Maintenant, je vais réaliser la tour de chute. Alors, vous aurez besoin de béton blanc, de béton noir, de béton vert clair, de béton jaune, de béton orange, de béton magenta, de béton violet, d'andésite poli, de muret d'andésite et des dalles en andésite poli. Pour réaliser donc la tour de chute, nous allons monter de 11 blocs avec du violet, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ensuite, on vient placer un bloc noir, un bloc blanc. Donc, on refait 11 avec du magenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On repose un bloc de noir, un bloc de béton blanc. Et on fait donc 11 avec du orange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On replace un bloc de noir, un bloc de blanc. Et on refait 11 avec du jaune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On repose un bloc de noir, un bloc de blanc. Et on refait la même chose, donc 11 avec du vert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Maintenant, on peut aller descendre donc tout en bas. Et en fait, nous allons juste suivre la forme donc de la remorque pour faire la tour de chute. Donc, on monte comme ça de 11 tous les côtés. Et ensuite, donc, on vient réaliser le damier, tout simplement, donc comme ceci. Voilà. Et vous faites donc la même chose pour tous les autres étages. Maintenant, nous allons prendre donc les blocs d'andésite et nous allons en poser donc deux comme ceci dans les angles, donc en haut de la tour. Et ensuite, on vient placer des dalles en andésite, comme ceci. Et une fois que vous avez fait ça, donc on vient placer les rails avec des murets donc d'andésite sur tout le long de la tour. Et voilà, donc les rails sont terminés. Ensuite, donc on se met en haut de la tour et on va venir faire un damier comme ceci.
et on va augmenter ça donc sur 3 étages. Maintenant, on prend les dalles, donc en andésite, et on vient en placer sur tout le tour donc du damier. On vient placer des blocs comme ceci. Donc là, on peut venir fermer. Voilà. On replace donc des dalles comme ceci. Et on finit donc avec des blocs. Et pour terminer, donc on peut venir placer les drapeaux tout en haut. Et voilà la tour de chute entièrement terminée. Maintenant, je vais réaliser la nacelle. Alors, vous aurez besoin de chaînes, de laine jaune, de dalles en briques des abîmes et des escaliers en briques des abîmes. Pour réaliser la nacelle, donc vous la faites à la hauteur que vous voulez. Moi, je vais la faire donc au niveau de la partie orange. Donc, nous allons placer des blocs comme ceci. On vient en rajouter deux de chaque côté. On vient faire pareil donc pour les autres côtés. Voilà, hop. Et là, on vient placer deux laines comme ceci. Ensuite, vous venez rajouter 3 blocs de laine comme ceci sur chaque côté. Et ensuite, en dessous, comme ceci. Sur les 3 autres côtés donc également. Une fois que vous avez fait ça, on vient placer donc les escaliers comme ceci. Ensuite, on en place donc à l'envers, à l'endroit, et on vient placer des dalles comme ceci. Et on finit avec des chaînes comme ceci. Et vous faites ça donc pour les 3 autres. Et voilà, le manège est entièrement terminé. En espérant que ce tuto vous aura plu, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner si cela n'est pas encore déjà fait. Et moi je vous laisse, c'était Geeks. Ciao !